naho niyumvira rwose ko ndikonkorera igihugu canje benshi ntibantahuye abandi nabo bakagomba kunyambika ibara ivyo ntacho vyari bitwaye iyo babigirira je nyene ariko rero babigirira nabandi barundi bene wacu muzotubonera mu byo dukora kandi rimwanezerwa natwe tuzoba duhimbawe Je me présente. Je m'appelle Roland Ruggiero. Je suis un jeune Burundais comme tant d'autres. Certains éléments de notre histoire me restent inconnus. J'ai souvent entendu parler de Rwagasore, le héros national, mais je ne sais rien de lui, ou si peu. Je sais qu'il était prince, fils de Mwami, qu'il était un compagnon de Nyerere et Lumumba, et qu'il est mort pour notre libération, assassiné 8 mois avant son grand jour de l'indépendance. Il a donné sa vie pour que naisse le Burundi. La plupart d'entre nous ne connaissent de lui que ce portrait, toujours le même. J'ai voulu en savoir plus. J'ai fouillé les archives, j'ai parcouru le pays, j'ai rencontré ceux qui l'ont connu, je les ai écoutés. Sa sœur d'abord, qui n'a rien oublié. Yari yifashe nk'umwana wo wo mu Rwanda asanzwe mugari yambaye neza kuturusha yari yambaye ibirato byiza nibutura nziza n'amaburetere meza twebwe twambaye akabutura gatoya n'agashimizi kawe baguhaye nawe wenyine hari igikoni niho batekera Nibuka ingazi ingene nabara ndayikinira ko tukashunguruka. Muke harababikira bakara. Barafise mbere idundu pulaye ikizu kinini yakibamo inkoko za rusake nini. Umwana agize ikintu bashaka kumuhana. Bamushya muri iyo dundu Rwagasore rero nawe ntiyagiye muri iyo dundu nyine Rwagasore baramugiriye nabicana abapadiri bamukubita ikani na mupiri yari yabahaye akakoni ngo ntiyagira nabimuramukubita
yashaka kumuguru aba umugabo ndi yundi yose yabashe ni fina kubiye ni se yamurete neza ah cyumba cyabaso cyari yagiye mu kihuku yarazaniye impuzu abana bagenzi biwe yarasaba se biwe ati hariho umwana atafite impuzu uramumpa ndamushira yamye afise urukundo kuva ari hasi Je sais comme tout Burundais que la Belgique était la puissance tutélaire au Burundi. Mais comment m'imaginer les relations entre l'occupant étranger et le Mwami, le prince Gwagasore ou le commun des Burundais? Quel type de relations entretenait-il? Ségrégation, partage de pouvoir ou rapport entendu? Je me demande finalement qui gouvernait. Le Rwanda ou Burundi est un territoire sous tutelle placé par d'abord la SDN quand c'était le mandat, puis l'ONU quand c'est devenu l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. On appelait ça le régime de la tutelle. Et donc, théoriquement, l'ONU avait le contrôle, mais le déléguait à une puissance administrante, comme on appelait, ou la puissance tutélaire, hein, les deux, qui, elle, était organisée de telle manière qu'en fait, on avait un vice-gouverneur général, à Rwa, en l'occurrence, dans la période essentielle de la vie politique de Rwagasore. Pendant 7 années, j'ai vécu à un très bon poste d'observation, surplombant 2 pays sympathiques. Quand j'en ai pris la direction en 1955, le Rwanda-Urundi était un territoire extrêmement pauvre, déjà trop peuplé, démuni de ressources naturelles. Pour moi, le mandat de la tutelle se justifiait donc surtout sur un plan matériel, économique, beaucoup plus que sur un quelconque plan politique. Pourquoi mon djungu yarakubwira ngo makaki kuchwa umurundi wese ari kuca ari karakora yari makake hariho bijya byo gutwara ngo ibintu by'iposho ibomani ibyo byose byagenda kugukandamiza abantu kuko hari abantu bitwa barongozi umurongozi aje akigisha ati ejo no gutwara iposho ibomani urya tabirose yaca kubitwa ikimoko Nta murundi numwe yarafise commerce nta murundi numwe yagira importation cyangwa exportation nta murundi numwe yoshobye kugira ngo ade gusaba agafaranga muri banki byari intereke ufatire mbere mu 1925 ababiri yamaze gushika ngaha mu mwaka ndakubariye barahinduye ibintu byinshi cyane mu byerekeye intwaro kuburyo umwami yacitse umuntu muto cyane bamugize umuntu muto cyane Quand je marche ici sur les ruines, rien n'est resté de ce pouvoir belge d'antan. Je me demande tout de même quel était l'objectif d'un roi ou de la tutelle en préservant des poches de pouvoir au roi Mwambutsa. Les textes disent même qu'ils ont permis à Gwagasore de bénéficier d'une éducation privilégiée, voire d'élite. Était-ce pour le préparer à la gestion de son pays? Je suis un groupe scolaire de la street. Au Israël, la section administrative. Je suis un groupe de la street. Et je suis un groupe de street. Yari kumwe n'abandi b'abanyarwanda yari kumwe n'abandi barundi bitegura kuzava bafata igihugu mu ntoki ivyiyumviro vyaratembera uribuka mbere n'igihe Gwagasore agiye kwigira mu Bubiligi
yagiye mu 52. C'est intéressant justement à propos de ces études de Rwagasore et notamment quand le Mwami Mwambutsa commence à demander à ce que son fils parte faire des études à l'étranger. Il se retrouve une année à ce qu'on appelait l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer, l'INUTOM, à Anvers, sans en avoir envie, avec assez peu d'intérêt pour ces matières très administratives. Comme ça fonctionne pas beaucoup, finalement, il réussit à obtenir la réorientation de ses études vers des cours d'agronomie. Quand Rwagasore arrive en Belgique, il est le deuxième universitaire, universitaire non religieux. Le premier, c'est Biroli. Donc il n'arrive pas en Belgique en trouvant déjà tout un tas d'étudiants burundais. Pas du tout. Ils sont une petite poignée de mains, et notamment Biroli, avec qui il semble s'entendre très bien et avoir des compagnons de sortie communs. Icyifuzo cyanjye cya mbere ni ukumenya byinshi. Byari bikenewe rero ko mva mu Burundi. Ndiko ndagenda ndaba amahinguriro atandukanye. Muri make nifuza kumenya ibyogirira akamaro Burundi mu minsi iri imbere. Ko 56 ho namumenyeye mu Biriki. Naragiye kuraba donka aho yagira amashuri. Twaragiye kumva ku makonferanse menshi. Yarambwiye ati hari ha club, hari ha conférencier bamba bava mu France. Hari amajambo abantu baza kuvuga ibya independence y'ibihugu, hari abantu baje kuvuga ingene iterambere ry'ibihugu rimera, utuntu ugenda utabiravye, hari abazungu baserukira abirabure, hari abirabure baseruka hariya baja muri ntuze muri parlema za hariya, kandi bose bavuga independence. En Belgique, où M. Rwagasore étudie de 1952 à 1956, il n'obtient aucun diplôme. Il échoue à l'examen de sortie de l'Institut universitaire des territoires d'outre-mer, et bien qu'il ne se présente qu'en qualité d'élève libre, il ne connaît que des insuccès à l'Université de Louvain. Par contre, il noue des relations avec des individus peu recommandables du type Van der Sleyen et manifeste déjà son caractère ambitieux et anti-belge. Rwagasore était à peine plus jeune que moi, 25 ans quand il est rentré au Burundi. Les archives mentionnent que sa première requête, à son retour auprès du résident belge, fut la demande de création d'une constitution Burundi. Quand même, déjà 25 ans, il semble donner un avertissement au pouvoir colonial, parce que qui entend constitution entend l'indépendance du Burundi. Coopérative, c'était le plan de Rwagasore pour un développement économique du Burundi. Et qu'ici, à Bouiza, la première coopérative de Rwagasore a vu le jour. Rwagasore a profité pour monter ce type de coopérative d'une nouvelle législation qui permet de créer ce qu'on appelle des coopératives indigènes qui ont une gestion tout à fait autonome, donc sans contrôle de l'autorité tutélaire. Et c'est dans cette brèche-là que va s'introduire Rwagasore, pas tout seul, hein, bien entendu, avec des aides, notamment de certains Européens bien introduits déjà dans le milieu des coopératives, mais aussi des Swahili. Mirere kanopor,
nawe numuntu yashikira abanyagihugu cyane sinzi uciye nkarye bugara murabona imboga zihagurishwa zirya n'imirerekano yigishije abanyagihugu bahagi bugarama kurima imboga kugira bave mu bukene mirerekano nawe yari yaritangiye abanyagihugu arico gituma yafashije cyane umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ces coopératives furent rapidement en difficulté financière. Rwagasore et ses amis, d'autre part, ont beau jeu de faire croire à leurs auditeurs naïfs que la situation chancelante des coopératives est due au sabotage des Européens et de l'administration. Coopérative est alors sur le niamazigi nagato ya kukuru mvawe ya zanye induza wa abazungu bafasha muri za coopérative. Abo bazungu rero nabo kandi nibo banayisha kuko baciye bigira mu byabo. La faillite des coopératives, en réalité, c'est essentiellement parce que les coopérateurs n'ont pas remboursé. Et donc, en fait, il y a eu des prêts un peu faits sur le mode amical et je te fais confiance. Mais au bout d'un moment, quand on fait confiance à 200 personnes qui n'ont pas remboursé leurs prêts, bah, les comptes de la coopérative sont en mauvaise situation. Novuga nti abarundi bwabo washaka nta nyungu nyinshi y'amafaranga yababo babonye mugabe iciza nuko Rwagasore ufatiye kuri ama cooperative yarashoboye kumonta yashoboye gushiraho ico ko kwita ideology politique arongeragira naramenyana n'abantu baramwizigira inasize populaire yatumye vraiment yatumye n'ukuri umugambwe wiwe ucuje imbere. Cette vieille photo de Julius Nyerere me fait toujours penser à l'influence qu'il a eue sur le prince. Bien avant qu'il soit devenu président de la Tanzanie, il convainc Rwagasore de réorienter les coopératives dans le développement d'un mouvement politique. Mais est-ce que Rwagasore avait seulement la politique en tête? Je n'ai trouvé que très peu d'éléments sur sa vie privée. Seul l'album de mariage qui me montre enfin un autre visage de lui. Naba shigantaye b'umuryango onkre baki baramubujije ubwo bwoko nta nari mwite babusabamo ko kandi karamu kumutwaye ntuzoba umwami urangije abishuye mbika ninde ababyeje gushaka ku mwami icyo nyine cyaragira mariage. Le fait que Rwagasore ait épousé Marie-Rose Namikevio, une femme Hutu, révolutionnait les principes de mariage entre les élites, mis à part les commentaires qui parviennent à mes oreilles encore aujourd'hui. Pour moi, cet acte pourrait prouver qu'il était sérieux en parlant de l'unité. Donc un acte politique, ou pourquoi pas, pour moi le romantique tout simplement, une histoire d'amour. Arandikira ibaruwa rezida amusaba yuko yokwemera tukagira umugambwe unité pour le progrès national donc iprona abadasigana ibyo rezida arate barabyemera vyemeye rero turatangura kugira propagande. Finalement, à peine marié, le prince Rwagasore n'oublie pas son engagement politique. Il arrive à rassembler différents mouvements tels que l'UNAHU et crée le parti Iprona. Rwagasore établit la première permanence du parti Iprona dans un quartier populaire à Buyenzi. C'est ici que je trouve des traces du passage de Rwagasore
car c'est dans cette maison qu'il mobilisa toutes les forces pour son idée d'indépendance. Elle est encore habitée par Wichuka, le fils du collaborateur Swahili de Gwagasore. Oui. Buyenzi niyo hari biro bikuru bya Iprona mu Burundi buzima kwa Salomo Bicuka kuri rya gorofa mu Burundi nta na hamwe yasize Hana hamwe yasize nabo bambwira ngo urya ni chef yanga Iprona yajayo yahura n'utwana dutoya akatugera ikintu kizitatu umva imana umwami u Burundi Shinze iprona kugira ngo uburundi bwikukire twese twikukira abantu utabatutsa abatwa abaganwa umwami n'abandi bose babanga nta kindi yagomba kuba umudasigana nk'abandi akaba ariwe yawutanguje kandi akaba ariwe awuha amategeko kuvyukuri ntangeka umugambwe ni Rwagasore y'Iprona ni Rwagasore ntangeka nimwe hari gusa Rwagasore yabona kure yagira ati jewe ndi conseiller general ndabandi jewe nababwiriye inama Rwagasore il est pas tout seul hein. Faut pas le voir comme un type isolé qui réussit à tout déterminer et derrière lui ils sont là que des lieutenants. Il y a des gens qui réfléchissent et qui eux aussi veulent l'indépendance. Et là les autorités coloniales sont vraiment très inquiètes. Et donc la grande idée, c'est de faire devenir Rwagasore un chef. Et donc de le mettre dans une chefferie, parce que comme ça, il sera isolé de toute cette effervescence citadine et de toutes ces idées un peu subversives qui peut aller picorer à gauche à droite dans ces cités swahili, dans les bars, etc. Les habitants de Butanyerera m'ont fièrement dit que ces trois arbres, signe de l'Uprona, ont été plantés par Rwagasore lui-même et ce monument se trouve à l'endroit où se tenait sa maison. Les archives belges, par contre, témoignent que l'éloignement de Bujumbura n'a pas empêché Rwagasore de poursuivre ses activités politiques. Nao kugira ngo baramujanye kugira ngo nduze ngo bamuhaye akazi bambwiye ati ngo tendera mu gihugu ngo umwana w'umwami ico cari iki cari cyumviro gikomeye cyane cyuko mubuza gukora politiki taruwo yaramubwiye ati Rwagasore nate politiki mugaba yitaye twebwe tuzomuha un fonds belge agire développement abantu bateye imbere ronka amafaranga n'ibindi mugaho mubuze kugira politique Rwagasore possédait un sens politique et un charisme extraordinaire et il avait réussi à créer autour de lui principalement parmi les jeunes et les femmes une équipe de dévoués fanatiques pour tenir des réunions interdites pour imprimer et distribuer des tracts beaucoup d'entre eux prenaient incontestablement des risques mais il le faisait joyeusement, rassuré d'ailleurs par l'extrême faiblesse de notre action répressive, faiblesse dont il se moquait. Bagenzanje nanje twifuze kwikukira bidatevye. Ntiyagira utwiyumvira uko tutari. Shaka ko mumenye wo muhanganye. Tugomba ko ubutegetsi bw'ababirigi werekana ko bushika ivyifuzo vyacu mu gihe bamwe mu bakozi babwo bikika mukiza kujyanisha Abarundi. Waciye bagira umugambwe witwa PDC Parti Démocrate Chrétien pour combattre l'Iprona waratubereye nabi gatoya Iprona ya Rwagasore yashaka ukwikukira
kudatevye mu myanya mwanya mwiza ariko abapedese kwera bacudise n'ababirigi bavuga bati twebwe ntitwihuta izo zirizo biraza urumva ariko ivyo abarundi bashe batavyifuza warurongo we n'abahungu babaranyanka baranyanka rero mubaganwa batwaye mu Burundi numwe mubaganwa bo Burundi yakundwa n'ababirigi cyane. La création d'un parti Baranyanka avec l'excellent attelage Biroli Tindendereza constituait la meilleure sinon la seule possibilité de faire échec à Rwagasore. Numuntu yaratonye cyane mu babirigi nico gituma n'abahungu biwe urabona baciye bakurikira iyo ragi yaratonye cyane kuko bagishika babirigi bavuga yuko ari umuzungu w'umwirabure kwivyumviro vyiwe ari vyiza cyane ari naco gituma numugambwe w'abahungu biwe ababiriki barabufasha n'uburyo bara buha uburyo iyindi migambo itaronga. Le Parti démocrate chrétien, c'est un parti qui naît effectivement de la famille Baranyanka. Une des manières de voir les choses, c'est de dire mais pourquoi ils étaient amis Biroli et lui et que tout d'un coup ils créent des partis qui sont disjoints. Bafutegetsi ni abantu babakundana ubutegetsi buratanukanya abantu birazwe si vyabo bonyene imbere yabo vyarabaye none umunsi birahari nejo bizoba ariko hariho na ninguvu ziri hejuru yavyo ziri hejuru y'Uburundi kubera yuko muri ico gihe nk'uko vyibuka hariho ingwano hagati y'intara zagwanira ivyo bita capitalism hakaba n'izindi zigwanira communism vyahurira muri Afrika muri ico gihe. C'était donc son propre cousin Joseph Biroli, celui même avec qui il habitait à Bruxelles pendant ses études, qui devient maintenant son adversaire sur la scène politique. Deux personnalités de sang royal qui commencent à s'affronter. La première bataille électorale burundaise commence. Puis-je vous redemander de faire l'effort d'obtenir de Rwagasore l'annonce publique de ce que, parce que fils du Mwami, il abandonne toute activité politique. Rwagasore me promit soumission verbalement, sans hésiter, de la manière la plus formelle. Et bien entendu, il n'en fit jamais rien. Mwambutsa se rendait bien compte que s'il voulait maintenir son pouvoir, il devait rester lui au-dessus de la politique. Et il l'a fait. Et il n'approuvait probablement pas, on prétend, qu'il n'approuvait pas son fils faire de la politique, parce que ça mettait en danger sa propre position. Le Mwami adressa le 8 février un message solennel à tous les Barundis. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je n'autorise personne et aucun parti à réclamer l'exclusivité de mon patronage ou à jeter en mon nom le discrédit sur tout autre parti ayant comme but l'intérêt des Barundis. Et intervient un décret qui interdit à tous les parents et alliés du Mwami jusqu'au second degré de participer à la politique, de se faire élire ou d'une quelconque manière d'avoir un rapport avec la politique et en gros de parler politique. Si vous avez dit que 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 Le résident général, par ordonnance du 27 octobre 1960, vient d'assigner une résidence au Muganois Louis Rwagasore
qui occupera à Bururi une habitation mise à sa disposition par l'administration. Ça, ça fait l'effet d'une bombe. Souvent, ici, c'est interprété, on dit « Roi Gassori a été emprisonné ». Attention, Roi Gassori n'est pas emprisonné, il n'est pas dans une prison derrière des barreaux. On l'installe dans une maison à Bururi, qui est effectivement gardée par des membres de la force publique et de la garde territoriale naissante à l'époque, mais il n'est pas emprisonné, il reçoit d'ailleurs de la visite. Hein. Turi kumwe n'abandi batatu twegere twagiye dushavuye tubabaye cyane mugabo we twamusanze ngaho niwe yaduhumurije. Intsinzi yanje rero n'ukwereka barundi ko ntari uko babirigi banyiyumvira. Ndibuka yuko twakuranwa n'umwamikazi wiwe yamara indwi imwe ari I Bururi nanjye nkasubirayo. Le résultat de notre coup d'arrêt fut qu'aux élections communales, l'Uprona décapité n'obtint que 19% des suffrages. Alors bien entendu, ces élections, elles sont, on les dirait à l'heure actuelle, non transparentes, non équitables. Enfin voilà, c'est des élections qui sont biaisées dès le début. C'est lui, Valentin Bankumuhari, qui était à la tête de la délégation burundaise, qui est allé à New York pour contester les résultats des élections communales. Comme j'étais impressionné par ces photos, et leur histoire a été entendue, parce que les Nations Unies envoient une mission de supervision pour les élections législatives de 1961. Les commissaires des Nations Unies, bon, je cite Gassou notamment, donne quand même, il y a quand même un échange d'idées sur comment gérer les foules et comment mener des meetings appropriés et efficaces. Il y a une espèce de passation, d'expérience, etc. Et il y a clairement une commission des Nations Unies au Rwanda-Urundi qui est en faveur de l'Uprona. Yagerageje guca hose mugabo aciye ngahagasiga nka wewe kurya Yezu yahora yigisha akashika ngaha turakomeza kumwe kwa Saint Paul yahora ati mwege muragumiza ngaha zunabandikira mumbwire Abarundi nimurwanye akarenganyo intwaro y'akarenganyo Abarundi nimwumvikane mubane mukundane tubone ko twogera ku ntahe yo kwikukira kwa Gasore yavukana na bose adatoranije imikambwe runaka cyane cyane yaragwanya ibyo gukumira abantu kubera ubwoko bwabo kwa Gasore we yashaka kwereka ko umurundi ari umurundi. Cibonekeza Burundi burafise ingorane iyo nayo ni abanyarucari abo nabo nta bwoko bagira arabaganwa abahutu abatutsi canke abatwa ico bahuriye ko nuko ari abantu batunzwe n'ibikorwa byabo nta byinshi bazi abandi n'abantu bikeneye reka rero tubaka ryo ko kwiteza imbere bose tuzoba dufashije Burundi tikiye kwagasore kwari kwiganzura abazungu. Ati twemera yuko abantu baza barakubitwa imoko bari gusabana n'abagore babona ibyo tubyiyamiriye abantu rero bacara baramukurikira Rwa Gasore amaze kubivuga mu banyamigambwe bose yari yavuze ati ndashake province bagire n'ofisque umugore umwe asohoka atorwa hamaje rero I Bujumbura nditoza narasabye uruhushya umugabo arankundira aranjigira puisque yari kumwe na Rwa Gasore mu vyo bakorana mu vyiyumviro ntiyanyangiye nditoza comme député I Bujumbura niyumvira ko Burundi butegerezwa gushika ku ntayo kwikukira nimudufashe kuyishikira hako yozi barwanya amakosa akomeye kandi yakoranye ubujuju yarabaye muri iki gihugu ariko ndizigiye ko tutabuze vyose.
cyari ho rero akaryo ko gusanura ibisigaye umunsi wa matora inigitega twatoreye ahitwe rutagama abantu twaragiye gutora turi benshi ushitse yo nk'iki gihe na saa cyenda yarageru tarashikira kubera abantu bari benshi hariho umugundano mugabo tukagumako. Les élections législatives du 18 septembre 1961, qui cette fois-ci, elles, se déroulent avec le vote des femmes, ces élections législatives sont gagnées, mais haut la main, par l'UPRONA, qui emporte 58 sièges sur 64, ce qui est quand même une victoire écrasante. Malheureusement, je n'avais pas encore vu le jour, mais je ressens tout de même beaucoup de fierté à la vue de ces images de Gwagasore Ngendandumwe à ses côtés, qui monte les marches du grand bureau en tant que vainqueur des premières élections législatives à la tête de l'UPRONA. Qu'a-t-il ressenti à ce moment historique en serrant la main d'un roi? De mon côté, il ne me restait plus qu'à me montrer beau perdant et à jouer franc jeu avec lui. Je déclarais nettement que je déplorais sincèrement la victoire de l'UPRONA, mais après quoi je lui affirmais que c'était en toute loyauté que je m'inclinais devant les faits. Il allait prendre le pouvoir et la Belgique allait le lui remettre sans réticence, sans faux fuyant, sans chausse-trappe. Murarangije gutora. Muratoreye u Burundi abanyu bazobuyobora. Murahereje gushinga ingingo ishorera u Burundi ibuteza imbere. Ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi, amahoro n'iteka ryinshi. Rwagasore iyo biravye mu majambo yavuze yakiriye intsinzi mu kwiyorosha cyane mu kwicisha bugufi uko yavuze ati ntihatsinze UPRONA ntihatsinze jewe hatsinze u Burundi uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba UPRONA ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda n'abo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni. Ce discours de Rwagasore était vraiment le meilleur que nous puissions espérer. Modéré, main tendue, sa forme aussi était excellente. Une chose que je n'ai toujours pas bien compris. Nous sommes en octobre 1961. Gwagasore a gagné les élections. Il devrait bien sûr créer maintenant son gouvernement qui devrait refléter ses idées sur l'unité et le développement économique. Mais l'indépendance n'est pas encore acquise. Comment va-t-il faire pour arriver à réaliser cette lourde tâche? Nos rapports avec l'administration belge au lendemain des élections étaient bonnes. D'autant plus que nous avons constaté que depuis que le gouvernement actuel belge est en place, il y a eu nettement une politique neutraliste de la Belgique envers le pays, envers les partis politiques en tout cas. Et à partir de ce moment-là, nos relations envers l'administration et envers la Belgique ont été renouvelées. Meilleures qu'auparavant. Meilleures qu'auparavant, et je crois que pour le moment elles sont bonnes et nous espérons que même pour l'avenir proche, avant l'indépendance, peut-être après, s'améliore encore. Quand le Burundi deviendra-t-il indépendant? À quelle date demanderez-vous l'indépendance aux Nations Unies? Il est difficile maintenant d'être fixé une date, mais il est évident que nous voulons nous préparer, prendre les choses en main. Là, sans exagérer, je vois 5, même à 7 mois, et même à 8 mois. Nous ne sommes pas tellement pressés, tout en étant pressés, mais nous voulons quand même que les choses soient bonnes, soient bien faites. Rwagasore yashinze leta ubwa mbere abantu bayibonye neza rwose kuko urabye witegereje irya leta usanga yashizemo abahutu b'incabwenge kandi bafise akamaro bangana n'abatutsi b'ico gihe
umugambwe wa PDC wa Parti Démocrate Chrétien wari usigikiwe cyane cyane n'abahungu babaranyanga ndidendereza na Birori warabuze muri ayo matora ariko byabateye ishavu awurumva atavuga rumwe nawe ntibisanzwe ko babyakira ugutu ariko bashobora kuvuga ati ntibyagenze neza nibyo afite abatabyakiriye neza cyane cyane n'abazungu gati kiwe kaguma kumuntu nama ndabivuga niho kumwivugisha ko nti nasonesheje imbuzi z'abana mpamvaga nje ko abo nyine tinze kubagomborera ambiga ipaki cy'amafaranga arakinterera ngo wiyumvira ko nze komanda yaguha Roi Gassoré, en ce soir de 13 octobre, part, après avoir fait une réunion de conseil des ministres, avec quelques-uns. Il s'installe au restaurant Tanganyika, qui existe encore à l'heure actuelle, sur la terrasse. Roi Gassoré trône, est en bout de table avec ses amis ministres et un autre en face. Ils s'attablent, ils viennent de commencer à manger. En tout cas, ils ont commandé, ils sont déjà devant leur première bière. Roi Gassoré fume comme à son habitude. Samoye umugore atijya kurabaho bo babari ngira kuri Stavros nta buriro kuko niti nani pagidasi nta bariho hotel central nta bariyo ndagenda no kuri kuko niti yayinde kwitanganika hanyuma mbonye amavatiri ari imbere menye kuri ho bari nanjye ndagenda ndamuramutsa ati na maki ni umwamikazi yarabajije aho muri atijya mu bandi bashoferi njya mu bandi bashoferi bicaye ba guverinoma nyine ubwo haza ivatiri ya Ford station wago model 58 havuye mu isasi bamurasha Et donc, Roi Gassoré s'affale, la mort est instantanée. Il n'a pas du tout eu le temps, de se voir mourir. Il n'y a pas de, disons, d'agonie de Roi Gassoré. Il meurt sur le coup. Il va te retirer. Tout le monde se lève précipitamment de la table, ne comprenant pas vraiment ce qui se passe, puisque Roi Gassoré vient de s'affaler avec sa cigarette qui continue de fumer. Le 13 octobre, en effet, ce fut la catastrophe. Vers 11h du soir, je dormais déjà lorsque le téléphone sonna. C'était mon ami, le docteur Van Bellingen, qui m'annonçait sans ménagement « On vient d'assassiner Roi Gassoré ». Ma réaction fut, paraît-il, très brève. « Nom de Dieu ». Jarabaye mbonye ko ari we ncafata ivatiri njya kugira nyina ku office ndakumanga ku rugi aturinde nini Joseph akiyavuga ati yo barampekuye tiyo ati barampekuye banciye umugongo nagize shoke sinubwira nataye ubwenge n'ukuri twaciye tugenda turirukanga kuri clinique bavuga ati baramujanye kuri clinique duhanirayo n'umwamikazi mama wiwe nibuka ko yakubise kofe haruwa yaramukubise kofe imbere ya parakomando batonze umurongo ati uranyicira ukongera kwaza kungwenga kunkora ku muvyimba Jesse then maybe not I ubwenge aho papa nawe yagumye mu buriri panda une semaine
Je suis venu à la maison. C'est ici que Guagasore a rendu l'âme et que 50 ans plus tard, je ne peux toujours pas m'expliquer qu'en une fraction de seconde, les rêves du prince et de millions de Burundais soient noyés ainsi dans le sang. Ses proches affirment qu'il y eut 3 autres tentatives d'assassinat. Savait-il qu'il allait mourir? Comme procureur du roi, j'ai eu tout ce qui était possible et imaginable de facilité pour qu'on conduise à bien cette enquête. Et très vite, on a trouvé que c'était une carabine qui devait appartenir, je crois, à Yatrou, qui était l'oncle de Kajéorgis. Alors, on a commencé par les arrêter. Je sais, moi, par les événements, que Kajéorgis a tiré une balle de carabine en se cachant dans les buissons, peut-être à 100 mètres de là. C'était un excellent tireur et il a été tué sur le coup. Vous connaissez l'histoire invraisemblable qu'immédiatement après le coup de feu fatal, ce véhicule dans lequel il y avait Jean Kajéorgis et 3 Barundi file vers Kayanza, donc monte la route vers Mourambia et à une dizaine ou une quinzaine de kilomètres en dehors de la ville, il tombe en panne d'essence. Vous vous rendez compte, on prépare un meurtre et on n'a pas d'essence dans la voiture pour s'enfuir. Et Jean Kajéorgis fait de l'autostop. Et la voiture qui s'arrête, c'est Mwambutsa, dont il vient d'assassiner le fils. Et Mwambutsa, très gentiment, lui dit, oui, je vais te déposer devant une station d'essence en ville. Et il fait ça. Et puis il rentre, et puis il apprend que son fils est mort. C'est quand même assez incroyable. Vous savez comment on les a trouvés directement? Parce qu'un soldat belge se promenait près de l'hôtel Tanganyika et il voit une voiture arrêtée. Il part et il est à peine à 100 mètres, il entend le coup de feu et il voit filer la voiture. Et le lendemain, il témoigne. C'était la voiture avec laquelle le PDC faisait sa propagande électorale, etc. Alors là, on était vite sur la trace. J'ai parcouru tous les rapports d'enquête. Il semble indiscutable que le complot ait été organisé par ses adversaires politiques du PDC, dont des membres de la famille Waranyanga et quelques Grecs. Mais je n'arrive tout de même pas à comprendre que des membres d'une même famille royale éliminent ainsi un des leurs. Iyo bagomba kubijana naciye bona yuko nanone atangeka abazofata abakuru banje. On les a un peu cuisinés, ça a été vite, et puis de là on est remonté vers le groupe Tidendereza, Biroli et autres. Et moi je me souviens très bien, j'ai interrogé moi-même Jean Tidendereza, qui n'a bien sûr rien voulu dire. Je n'ai pas assisté parce que j'ai senti immédiatement l'oignon et que c'était pas un homme qui allait vendre le morceau. Très vite, l'enquête a été bouclée. Certains ont avoué, Kajéorgis a avoué. Il a dit qu'il a fait ça dans un moment d'égarement, mais il a bien avoué que c'est lui qui avait tiré. Takiisha, je crois, a avoué aussi. Tindendereza et Biroli n'ont pas... Tindendereza a nié, et Joseph Biroli a tourné un peu autour du pot, Mais il y avait le dossier avec leurs aveux complets. Nibyo bitangaje cyane kubona Guagasore yaciye yicwa na bene Baranyanga. Etando ne yuko Baranyanga nawe yari muri famille royale. Nubwanganye rero bumwe budasanzwe. Je suis venu à la maison.
niko byabaye rero kuri ya famille kuko bari bamwe mu byukuri ntibari kubwizwa kumwica ahubwo bari gukorera hamwe. Ainsi, le prince a disparu, mais son mythe commence tout juste dès son enterrement. Comme si on m'a dit que nous pouvons avant nous, Baba est allé pour couper les cavacabaye. Pos, il me semble que c'est pas la manute avant nous. Pos, barrage. Pos, il va donc un magro kevoke, va hériter de kizika. Mumba cherengu nga wamengo na ukwaruko nyine bagore baba bino bujumba bose bambaye byirabura no bakashere yaraba mu Burundi yaraba cyabantu. Wige bamuhamba nyine inzoki zaraje zirarobanu zirya bazungu barundi ntanumwe ngira ngo bazabarya kubera ry'amarashi. Autour de la tombe, la foule est estimée à 30 000 personnes. Le temps est superbe. Beaucoup de militaires paras nous entourent, qui ne sourcillent pas quand des clameurs s'élèvent. Est-ce un trouble provoqué? Des haut-parleurs lancent des appels en Kirundi. J'interroge Mwambutsa du regard. Je l'entends toujours, de sa voix caverneuse. Ce sont des abeilles qui piquent des centaines de spectateurs. Le diable me pousse et je chuchote au Mwami. C'est nous qui avons arrangé cela. Abagore kuva apfuye nibo biyokipa kwandretena tombe yiwe kwandretena harya hose hambwe nibo baharo gratuitement ntibahembwa babigira ku rukundo baramukunda cyane bagenda bakategura neza bakama bahasharije bahafashe neza baramukunda kandi baramwumva ko nawe yarabiyumvamo yarabafashe umva yarabateje imbere yarabahaye izina ntibari bakiri mu gifuri. Encore aujourd'hui, les émotions sont fortes quand les témoins me parlent de cet enterrement. On dit que les larmes ont dû couler jusqu'au lac Tanganyika. J'emprunte l'escalier du parquet de Bujumbura, le même que les témoins du procès contre les assassins de Gwagasole ont dû emprunter. Les rapports disent que le procès fait sale comble. J'ai pu trouver de nombreuses photos d'archives sur lesquelles je découvre les magistrats belges et leurs confrères burundais, mais surtout sur le banc des accusés, le visage de 6 burundais et 3 grecs dans leur tenue de bagnard. La cour d'appel du 7 mai 1962 confirme la peine de mort de Kajurgis pour Ntindendereza et Naïmana, 20 ans de servitude pénale, pour Biroli, 15 ans, et finalement Achaniotis, 1 an. Kajurgis, je vais vous dire que je suis un peu plus tard. 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 Yarabivuze rwose cyo gituma yagiye asaba ikigongwe ati cyenda kwiye gupfa mugabo birakwiye yuko no saba ikigongwe umwami ko namwiciye umwana ndasabye ikigongwe ku barundi ku badasigana cyane cyane mugabo naho ngiye si jewe nari kwibwira jewe mugereki mutoya yuko nguye kwicubye umwana w'umwami ibyo yavuye n'abantu bantumye. Moi je sentais très bien qu'il y avait quelque chose qui chipotait les autorités politiques belges. Vous savez, quand on est dans cette situation-là, on s'évite un peu, on ne parle de rien. Mais de là à aller dans l'enquête, vraiment, vis-à-vis de l'administration belge, ça, je n'y ai vraiment pas pensé. Je ne pouvais pas imaginer que nous aurions été à la base de fomenter un assassinat. Kurubaza, nous, vous savez, nous,
wacubona yuko hari kintu kindi wacubona ko hari kindi kintu wabona ngo kuyo muntu nawe yarakuye kubazwa ikintu bwa abantu benshi ndabavyuwauka nuko uvuga urwo rubanza tuyita urubanza Bergo Belge uburginyo ndakubyiye yaravuze neza cyane ati abamwishe wamwishe nuyo mugabe inama yagizwe naba nico gituma bose yari yarasavye urunduze urubanza rwo gupfa bose mugabe bigiye mu bigiye gutora bagiye kugira urubanza muri grand instance bakondana gusumwe gusa bakondana gusumwe uya murashe. J'estimais qu'il fallait ne pas accorder le droit de grâce parce que sinon on risquait de ne pas considérer l'arrêt de la cour d'appel comme étant un arrêt définitif. Je me suis laissé dire que le roi Baudouin avait longtemps hésité, mais pour finir avait, sur les conseils de ses conseillers, accepté que l'exécution ait lieu et on avait décidé de faire ça, si mes souvenirs sont bons, vers 5 heures du matin, dans la prison. Il est mort et puis j'ai fait un procès verbal disant qu'on avait exécuté. Mais je voulais vous dire que ma journée, mes jours suivants, je n'ai pas dormi. C'est pénible, vous savez ça. Juste avant l'indépendance, c'était quoi, 2 jours ou 3 jours avant? Le 1er juillet 1962, le Burundi est finalement indépendant. Les Burundais ont donc fêté malgré l'absence de l'artisan le plus fervent de cette indépendance. Wagasore, absent pour cette première fête de l'indépendance, me laisse pourtant un goût amer. Mubona amasanamu yo kuri independence umubyeyi we umwamikazi na papa wiwe ingene bari bameze mwaca mubona ko bababaye baneze n'abarundi bari banze bo ntibari baneze kuko bafe sinzi kunezerwa n'uko babangene umuntu yo bifatanye kubera kuko wari karavuga ijambo ni kwaresho yari kurivuga byayipfiriye. Kajojish ni bavuga ati cyengiye gupfa kandi akwiye gupfa mugabo reka mpe mvutse tuzana kasete zangwa n'umuzungu yitwa Blero haraheza aravuga amazina haravuga na haru yarabivuze rwose cyo gituma yagiye asabye ikigongwe ati cyenda akwiye gupfa mugabo birakwiye yuko no saba ikigongwe umwami ko namwiciye umwana ndasabye ikigongwe ku barundi ku badasigana cyane cyane mugabo naho ngiye si jewe nari kwibwira jewe mugereki mutoya yuko nguye kwicubye mwana w'umwami ibyo yavuye n'abantu bantumye. Moi je sentais très bien qu'il y avait quelque chose qui chipotait les autorités politiques belges. Vous savez, quand on est dans cette situation-là, on s'évite un peu, on ne parle de rien. Mais de là à aller dans l'enquête vraiment vis-à-vis de l'administration belge, ça je n'y ai vraiment pas pensé. Je ne pouvais pas imaginer que nous aurions été à la base de fomenter un assassinat. Kurubaza n'ufite ingene barubaza wacubona yuko hari kintu kindi wacubona ko hari kindi kintu wabona ngo kuyo muntu nawe yarakuye kubazwa ikintu bwa abantu benshi ndabavyuwauka ni kuvuga urwo rubanza tuyita urubanza Bergo Belge uburginyo ndakubyiye yaravuze neza cyane ati abamwishe wamwishe nuyo mugabe inama yagizwe naba nico gituma bose yari yarasavye urunduze urubanza rwo gupfa bose mugabe bigiye mu bigiye gutora bagiye kugira urubanza muri grand instance bakondana gusumwe gusa bakondana gusumwe uya murashe. J'estimais qu'il fallait ne pas accorder le droit de grâce parce que sinon on risquait de ne pas considérer l'arrêt de la cour d'appel comme étant un arrêt définitif. Je me suis laissé dire que le roi Baudouin avait longtemps hésité, mais pour finir
avait, sur les conseils de ses conseillers, accepté que l'exécution ait lieu. Et on avait décidé de faire ça, si mes souvenirs sont bons, vers 5 heures du matin, dans la prison. Il est mort et puis j'ai fait un procès verbal disant qu'on avait exécuté. Mais je voulais vous dire que ma journée, mes jours suivants, je n'ai pas dormi. C'est pénible, vous savez ça. Juste avant l'indépendance, c'était quoi, 2 jours ou 3 jours avant? Le 1er juillet 1962, le Burundi est finalement indépendant. Les Burundais ont donc fêté malgré l'absence de l'artisan le plus fervent de cette indépendance. Rwagasore, absent pour cette première fête de l'indépendance, me laisse pourtant un goût amer. Mwabona amasanamu yo kuri independence umubyeyi we mwamikazi na papa wiwe ingene bari bameze mwaca mubona ko bababaye baneze n'abarundi bari banze bo ntibari baneze kuko bafe sinzi kunezerwa n'uko babanye n'umuntu yo bifatanye kubera kuko wari karavuga ijambo ni kwesa yari kurivuga byayipfiriye. En 1962, l'indépendance tant convoitée est acquise. Les Burundais, maintenant souverains, ordonnent un deuxième procès sur les circonstances de la mort de Rwagasore avec des magistrats burundais qui siègent. Les photos des accusés montrent le même visage, cette fois-ci dans des costumes dignes. Mais tout comme les personnes présentes, je me demande si le verdict sera le même. Icyo gihe mu mburano zabaye urwandiko ndarufise mu mburano zabaye baragaruka cyane kuri responsabilité de la tutelle. Qu'ils ont joué leur dernière carte en disant oui mais l'administration on croyait qu'on était couvert parce que le résident Renier, monsieur Léonard, l'administrateur territorial qui était devenu le conseiller de Jean-Tiden de Reza, ont prononcé des paroles qui nous ont fait comprendre que si on assassinait Rwagasore, on serait couvert. Les agents belges ont-ils accueilli favorablement, approuvé à haute voix? Sinon pris spontanément à leur compte l'énoncé de ce raisonnement? Ont-ils affirmé à l'un ou l'autre Africain que la concrétisation du dernier maillon de cette argumentation, la tutelle belge fermera les yeux, était du domaine du probable, voire du certain? Le nier me paraît déraisonnable. Ntatohozwa yigeze rigirwa ngo rishike kuri yo kuri yo numbero mbere nta n'urubanza rwaciwe. Nico gituma rero bigoye ku muntu avyemeza canke ngo bihakane. Bisaba amatohoza. La peine de mort pour 3 membres de ce qu'il a appelé le commando des tueurs. Kajorjis Naimana Intakicha Jean-Baptiste. La peine de mort également pour le groupe des auteurs moraux de l'assassinat, Iyatru, Ntindereza Jean-Baptiste et Joseph Biroli. La servitude pénale à perpétuité pour Ntakicha Henri. 5 ans de servitude pénale pour Archani Otis et Begirindavi. Non, mon roi, je vais me dire, ah, va, je vais me dire, 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 je On a dit qu'il y avait 10 000 personnes à cette exécution capitale qu'on a fait à Kitega. Hein. Donc, c'est quand même éloigné de la capitale pour faire ça. Je vais me dire, je vais le 15 janvier. 1963. Tubona banyongewe haji gitega. Baburitse umwe. Hari imeza babanza kuburizako. Hama rero bashizemo akagozi. Puku.
agaca basunura akakameza yimeze yarahagaze ko rero ihenutse aca tangura kwenena ati mwese muzonkurikira ndashaka ko abarundi na bene bose bamenya yuko abana babo na bene bafize inzira kugira ngo bazomere gutyaye rwagasore ni ntibagirwa ku barundi bose ubiravye kubera ko niwe yazanye independence erega tutaronka independence niwe twari gukora iki niwe muntu ubu dusigaranye naho yasandavye abarundi benshi bahurirako nta muntu ndumva mbere turabe no kwintwaro zigenda zihindagurika yego twaragize injyane twaja mu izo kugeza mu injyane z'ubuhutu n'ubututsi mugabo nta muntu arigera abona igihe ubutegetsi buje uvuga ngo jewe uwo mugabo nitumunze cyanye ngo ubone umuntu avuga ati mbere turakeneye nuko njya muze we tuyihindu je ndi kumwe nawe turutanda kubwiye ko amafoto yuyo sari hose iwanje no mu modoka uraza kuraba turaganira iyo ndamu chaque fois ndi kwenda ndaraba ifoto yuyo ndaraba kamubaza mbe utuma wagiye ni kuki we ivyo vyaraheze abashavuye barashavuye ababuze twarabuze harageze yuko tugerageza kubiraba rero hamwe n'umutima rugabo n'umutima w'urukundo kugira ngo twoze imitima na n'ibihugu byacu kugira ngo bibashe kuronka imigenderanire myiza kandi y'ugusoneranirana ari uko twumvikanye kuri icyo kibazo Je crois m'être rapproché du personnage Louis Guagasore à travers tout ce que j'ai rencontré et au-delà du mythe du prince perdu. J'ai eu des larmes, du regret, mais aussi de l'espoir. Mon cœur se serre tout de même en pensant qu'il avait mon âge, 29 ans, à sa mort, et que sa carrière n'a duré que 5 années. Guagasore fait partie de l'histoire de mon pays. Lui et les valeurs de paix qu'il prônait. Unité, indépendance et développement. Ce sont encore ces paroles qui aujourd'hui nous permettent de croire à la réconciliation et à la paix, car comme disait si bien Guagasore, il faut croire à l'immense bonne volonté qui anime les hommes de ce pays. Nanje nguze
Tegera gutandukanye